Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 sur Eplectel Requiem. Ok, donc excusez-moi, je viens de recevoir un message en même temps. Donc nous nous apprêtons à repasser le passage, enfin repasser, à passer plutôt le passage d'ici. Donc, eh bien, nous allons devoir traverser tout ce bordel. Hugo ne va pas bien. Et puis, notre mère a été tuée par le comte. Restez près de moi. Qui nous ont tendu une petite embuscade, on va dire ça comme ça. Fais attention à ta torche. Oui. Oh là là, c'est dégoûtant! Ça doit puer! N'approche pas des vapeurs! Ça brûle! Là! Reste avec moi! Reste prudente! Il y en a encore! Je les vois! L'effet s'arrêtera bientôt! Ah oui, mais j'ai plus de torche! Aide-moi! Alors, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème, je vais recommencer au début, j'imagine. Alors, et si on passait... Ah bah oui, non, je ne peux pas passer par là. Ouais, mais non, ça sert à rien. On va essayer de ne pas passer dans les espèces de... Je suis surpris qu'ils me mettent devant le cocon. Là, on va essayer là de passer le plus à droite possible. Voilà. Le cocon est ici. Là, on passe à gauche. Je les vois. Ah putain, il y en a un là aussi. Attention. C'est pire que tout. Ah là là, j'ose même pas imaginer l'odeur. Oui, il y a moyen. J'ai senti son corps se contracter juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Son lien avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Allez, allez, on passe. Ah, c'est vraiment le cauchemar absolu, quoi. Bien. Bon, niveau gameplay, c'était pas trop compliqué. Oh là là, par contre, et vraiment le... Ah! On ne va pas passer par là. Le décor est excellent, hein. Par contre, super bien fait. Il y a des niveaux de détails assez impressionnants. Oh là là. Mais combien il y en a à l'intérieur? Oui. Je suis là. Hé. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Ouais. Ouais, là, il faut se casser, hein. Non! Je reste! Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici! C'est ma maison! Arrête! Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! Tu les as mis en colère. Ils arrivent! Ouais! Oh là là, on laisse la torche? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, hein. Vite! Ils vont tout détruire! Non! Vite! Il est quand même bien docile, hein, pour quelqu'un qui se fait accompagner. Regardez, il nous aide. Merde. En fait, le joystick change de côté quand on monte, ce qui fait que quand on a la caméra derrière, il faut aller mettre le joystick en arrière pour avancer. Du coup, j'ai loupé. C'est impossible. Mais combien maintenir y en a pour passer. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Tu les as mis en colère. Ils arrivent. Ouais. Allez, on se tire. Vite,
Ok, donc là on met bien en arrière. Alors là, oh putain. Le joystick de l'autre côté, de nouveau. Nom de Dieu, ça pullule de partout. Parc. Un camp. Oh là 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 là, là j'ose même pas imaginer. Oh, mais je comprends pas comment ils peuvent ne pas vomir. Respire. Hugo. Hugo. Mais elle vient de le lâcher il y a 2 secondes. Là il est. Il y a encore de la lumière. Et évidemment qu'il fasse jour. Oh, le lien entre les deux, c'est un truc de fou, hein. Ce n'est pas fini. Allons-y. Ok, c'est le jeu n'est pas fini, on a compris. On doit encore atteindre le port. Voilà, vous avez vu la barrière de rats. Allez, on y va. Et ça, c'est la musique du jeu quand on n'a pas lancé le jeu. Vous avez toujours une musique quand vous êtes sur le menu principal et que vous êtes sur la case du jeu en question. Attends. Voilà, c'est celui de Playtech. Village. Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est y revenu. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Seigneur. Bon. Les secousses ont amené ces maudits œufs à la surface. Ah. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo. Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Ah oui. C'est moi. Vous m'entendez? Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Ah ouais, c'est radical, hein. Je regarde vite fait autour si... Non, il n'y a pas de... Y a pas quoi que ce soit. T'as senti ça ? Oh putain, merde. Cette secousse a cassé les jarres d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un de vos titres, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à notre housse, faites attention. Bon, Oh là là. Il y a des cocons en plus. Alors attention. Non, on peut pas faire ça. Mais l'autre il va me voir là, attendez. J'aimerais passer sur le côté si c'est possible.
mais non, je peux pas. Lipsanguis. Malgré tout ce chaos, je préfère tuer que d'affronter leur propre mort. Rien de nouveau. Bon, il veut pas se tourner, de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le côté ici. Après, il y a des... Attendez. C'est trop bizarre. Et si je fais ça? Ah ouais, je peux... Alors, maintenant, de l'extinguis. Même pas besoin? Très bien. Alors moi, je vais juste prendre le coffre. Mais poussez-vous! Voilà! Donc, avec la fronde, on peut péter les cocons. Intéressant. Alors, on peut pas monter sur l'espèce de petit rebord, là. C'est bien dommage. Alors, il y en a un en bas, il y en a un sur le côté gauche. Il n'y a pas d'archer. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oh putain, il y a encore de ces merdes. Il y a un cocon à droite. Il se tourne pas, lui. Hein. Ok, des fleurs par ici. Alors, je pense qu'il faut pas trop s'approcher des cocons. De toute façon, on ne peut pas aller tout droit. Ah putain, il y a lui qui arrive. Ah putain, il sort d'où celui-là? Je sais où vous trouvez. On doit se cacher. Ouf, et heureusement que le premier ne s'est pas retourné. Non. Il vient ici. Ouf. Vous, si ça vous chante, ça changera rien. Par contre, je crois que j'ai reculé. Merde, c'est pas... C'est celui-là que je veux. Oui, parce que là, j'ai reculé, là. Attendez, on va essayer de repasser par là. Attention là, parce qu'il y a des merdes. Non, putain. Ah, je crois que c'est en face, regardez. Est-ce que tu tiens le coup? Je pense que c'est par là. Là, il y a un garde là-bas, et nous on passe par ici. Garde autour des bateaux. On trouvera. Même si on doit ramer jusqu'à la côte. Merde. C'était rien. C'était rien du tout. Je pensais que c'était un point de sauvegarde, hein. Mais pas du tout. Bon, leur vision perçante est toujours aussi impressionnante. Allez. Alors, il y en a un autre au fond. On est à la lisière du village, là. Ça sert à rien d'aller à droite, je pense. Il
va revenir vers nous, le premier. Et oui, tu penses. Ils sont bien coordonnés, les cons, là. Ah, il passe à droite. Attendez, c'est notre chance. Il s'en remettra. Il sait ce que c'est que la mort. N'oublie pas qu'il a déjà fait la guerre. Cet homme a connu la gloire dans des centaines de batailles. Évidemment qu'il parle du comte. Alors, je vais revenir en arrière, vite. Là. Parce que lui, je sens que... il va faire demi-tour. Je pense que j'ai bien fait. Et là, je peux pas aller à gauche. Je pensais qu'il y avait un chemin, mais non. Il va falloir que j'aille au niveau de la torche, ici. Ah, il va falloir passer juste derrière l'autre, là. Allez, on y va. Le problème, c'est qu'il va pas s'arrêter sur les herbes. Il va s'arrêter devant les herbes. Eh oui. Allez, on y va. Merde, le problème c'est qu'il y en a un en bas aussi. J'ai l'impression de tourner en rond là. Il y a plein de coffres, mais c'est pas par là. Et c'est pas par là non plus. Merde. Ils nous tiennent. Avec moi, vite. Les intrus sont là. Et il y en a un en haut. En fait, je suis paumé, je sais pas où aller. Pas du tout. Il y avait plein de coffres sur le côté. Je sais pas du tout par où aller, quoi. Alors, ils m'ont remis ici. Très bien. Ah ouais, là... Parce que là, il me faut revenir en arrière, à droite. Donc, on va essayer d'aller à gauche. J'ai peut-être pas bien vu. Où est l'autre cul? Ah, il est là. Ok... Vous reparlez pas du compte. Allez, il y en a un qui se casse derrière et l'autre qui se casse devant. Voilà, allez. Le coffre est déjà ouvert. Bon, on se fasse passer des coffres. Hein. Et là, je suis pas sûr que ce soit la suite, malheureusement. Bah non. Eh ben non. Bah comment on fait? On va essayer de passer sur le côté, mais... Merde. Venez avec moi. Il y a des et je peux pas passer là. Il y a une touche là, mais il manque quelque chose. Ah, je suis pas mort encore. Bougez-vous. On a des intrus. Ouais, mais... Par ici, les laissez pas s'échapper. Ils nous ont détectés. Tu es très perspicace, Lucas. Ils sont pas loin. Venez avec moi. Cherchez ça. Des intrus. Je peux pas repasser. Bougez-vous. On a des intrus. Ouais, mais je sais pas par où passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les buter. À l'arbalète.
2. Et j'ai 3 flèches. Donc dès qu'ils font demi-tour l'un et l'autre, je les bute comme ça, au moins j'ai la voie de libre. Bon, je peux le faire comme ça aussi. J'en suis sûr. Laisse-nous partir. Voilà. Comme ça, ici je suis bon. Mais ça ne me dit pas par où je dois aller. La porte là-bas, je crois que c'est l'entrée du village. Oui. Est-ce qu'il en reste ? Mais comment je vais là-bas ? Sorte doucement. Oui, j'y vais. Est-ce qu'il faut que je passe sans me faire voir ? C'est possible, hein ? Bah oui, forcément que c'est trop. Ça, peut-être. Hein ? Oh. Imbécile. Maintenant, je sais où vous vous cachez. Oh non. Ah, c'est ça qu'il faut. J'ai compris. Allez, on y va. Pendant l'action contextuelle, normalement, ils pourraient pas m'attaquer. Voilà. Fallait bien que je tue les deux qui étaient au début. Parfait, enfin la dernière phase que j'avais. Il voit un bateau là-bas. Et donc c'était bien un seul coffre, pas deux. Oh, pitié, sois en vie, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Une pente de la muraille ? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ah ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. Je me doutais bien. Je me doutais bien qu'il allait pas... Il va tomber. Ah, le clocher qui tombe. Oui, je disais, je me doutais bien qu'on n'allait pas laisser l'arc d'Arnaud comme on l'a laissé. Il y a un petit moment de ça, d'ailleurs. Hein. On ne peut pas passer par là. Et on ne peut pas passer par là non plus. Un petit plouf ne nous aurait pas fait de mal. Donc on est revenu au village. Je ne sais pas où sont ceux qui criaient, là. Je ne les vois pas. Ah, il y a des rats de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis ? Oui, il y en a un. Ah merde, il a ce putain de... Il y a des trucs partout. On va s'arrêter pour ça. Alors. Voilà. Alors, ils ont tous des torches, hein, donc... On passe par là...
enfin tous des torches, ou des moyens de les éteindre. Parfait. Il y en a un en bas, il n'y a personne en haut. Il s'est fait tuer comme une... comme un caca. J'en vois pas d'autres. Hein. Il y en avait que deux, visiblement. Ouais. Ok. Alors, maintenant, on prend de la poix. Ah, si, il y en a un là, regardez. Le salaud. Alors. J'arrive pas à le distinguer clairement. Bon, on est vite en bas, on va monter. Il se passe quelque chose, bah oui, forcément il va. Mais si. Alors, on a un coffre ici. Oula, il y a un archer là-bas. Donc on reste pas trop longtemps ici. Non, c'est pas un archer. Mais je pense qu'il a une vue perçante. Oh merde, il y avait quelqu'un juste là. Allez, tourne-toi. Oh, il y a plein de trucs là. On va se le faire. Là. Ah merde, c'était juste un truc pour détourner son attention en fait. J'ai cru que c'était... Ah bah si, il y en avait un là quand même. Ok, ça va. C'est tout ce qu'il y avait. Ah non. Salpêtre et fragments. Jamais je n'aurais pensé que les rats pourraient être si puissants. Espérons qu'ils resteront ici. Un couteau. Un coffre ici. Attention aux gardes. Je sais pas où il est. C'est un cocon ça? Oui, c'est un cocon. Là on a une flèche. Je les vois plus. Ah, il y en a un là. Et l'autre est de l'autre côté. Casque, ça ne marchera pas. Là, il y a de l'herbe. On va essayer de le passer... Oui, on va le passer en infiltration. Là, je t'en supplie. Il fait pas demi-tour encore. Si, ça y est. On descend. Ça, je suis bien d'accord. C'est l'enfant qui nous a fait ça. Il l'a fait à cause d'elle. Mais le monde y apprendra. Il nous montrera comment éliminer le monde.
J'espère juste que je serai encore là pour le voir. Il y en a, ils sont vraiment encore aveugles, hein. C'est ouf. Hein. Alors, il croit à n'importe quoi, c'est... Alors, il y a le troisième, là, il m'emmerde. Yes. Attention, le deuxième, il peut peut-être potentiellement faire demi-tour. C'est bon, on a l'air là. J'ai l'impression que c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté du village. Il tire à peine au-dessus de l'eau. Pas le choix, je présume. Alors, je ne le vois pas. J'imagine qu'il faut aller de l'autre côté. Parce que là, il n'y a rien. Bon, là, il n'y a pas de rat, de toute façon. Par où je peux aller? Parce que là, ils prennent toutes les voies d'accès. Parce qu'il n'y a pas de rat hein, dans le coin. Ils sont beaucoup trop loin. Allez, hop. Il n'y a rien pour les détourner. Je pense que je vais devoir le tuer, celui-ci. À moins qu'il se casse à gauche. Ce qui m'étonnerait fortement. Qu'est-ce qu'il a? J'aimais pas ce type. Mais cette fille est une vraie furie. Calme-toi. On va s'en sortir. Alors attention. Troisième qui vient aussi. Espèce de sale ivrogne. Lève-toi. Ennemi à terre. On nous attaque. Ouais, mais allez, mais casse-toi de mon chemin, toi. Allez, on passe. Coffre par ici. Donc, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Et non, putain. C'était juste pour un coffre. Bon sang! On peut passer de ce côté. L'autre, il est juste là. Attention, parce qu'il y avait le troisième, voilà, il est là. Il y a encore un coffre ici. Il ne m'emmène à rien. Non, non, il n'y a rien ici, putain. Oui, bien sûr. Ah, mais il me ramène ici. Attendez, je suis perdu, là. Où est-ce que je dois aller, moi? Il est où ce foutu clocher? Ah, il était là-bas. En fait, j'étais à côté du truc depuis le début. Merde. Ah ouais, c'est là où il y a l'espèce de stèle, là. Ben, il est passé où? Il est là. J'ai failli me viander là. Ah, il y a encore des trucs. Putain. Mais là, c'est chaud par contre. Hein. Il va jusqu'où le gros plein de soupe là? Il est là. Ah, il va jusque là. Lui il revient. Ça va être chaud hein. Ah, parce qu'ils sont pas. Ils sont pas. Ah
en adéquation. Bon, je pense qu'on va laisser le coffre. On va aller direct. Oui, voilà, c'est le clocher, mais putain, mais je suis trop con. Voilà, il y a des flèches. Il y a quand même des trucs, hein. ça m'emmerde. Vas-y, j'y vais. J'ai le carreau. Ils sont partis par là. Ils ne peuvent pas s'échapper. Traquez-les. Allez, putain. Je vais jamais y arriver. Si, heureusement, ils sont nous de chez nous. Monte. C'est vrai que j'avais de l'avance, mais quand même. Il a tenu. Oui. Maintenant, où est Arnaud ? Mais c'est marrant parce qu'il pose pas de questions, Lucas. Allez plus vite, ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'ils le tuent, moi je les tuerai tous. Tu n'auras pas besoin. Nous allons le sortir de là. Et Sophia aussi. Mais Sophia, normalement, elle est pas prisonnière. Ah, un établi. Alors. Ah, je peux faire les carreaux renforcés. Ça, c'est déjà fait. Porter des couteaux et des pyrites supplémentaires, c'est pas mal, ça. Je vais faire celui-là. C'est bien mieux. Notamment pour les couteaux. Très bien. Allez, on continue par ici. Bon, c'est une phase assez stressante, mais pour l'instant, on s'en sort pas trop mal quand même. Hein. À part en rentrant dans le village où c'était un peu tendax, là clairement, ça se passe plutôt bien. On va devoir sauter tout de suite. Alors. Un couteau. Une arme précieuse dans le plectel. Ouais, on est loin du petit paradis qu'on a trouvé, mais je me disais que ça sentait... C'était étrange dès le départ. Ouais, c'est juste un... raccourci, on s'en moque. Vous voyez ça, les gars? Oh, putain. Ce port hurlant est tout calme maintenant. Dommage. Allez, il faut se rapprocher. Alors c'est lui, le fameux Arnaud. Celui qu'on appelle la muraille. Oui. Et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Ok, j'ai compris. Ça y est, il a enfin posé la question. Il n'a pas compris qui c'était de base. Je vous rappelle que Arnaud, c'était lui qui nous posait des problèmes au début du jeu. Hein. Non. Allez, monte. D'accord. Ok. Fragment. C'est quoi ça? Putain, il y avait un... Il y avait un truc ici? Ah merde, je peux pas y aller là. Ah mais attends, mais si je peux y aller. Attendez. Ah, peut-être pas avec les débris de merde.
Ah, peut-être pas. Attendez. On va faire le tour comme ça. Eh, si ça passe. Mais si ça passe. Monte. Grimpe. Oui. J'ai bien fait de regarder. Bon, ça va m'user un couteau, mais c'est pas bien grave. En général, ça vaut le coup quand même. 5 fragments, c'est tout. Putain, ils auraient pu en mettre plus. On se met au travail. Non, c'est pas avec mes 16 trucs là. Et un outil. Bon. Et je peux pas rejoindre l'autre côté, je suis obligé de refaire le tour. Bon. C'est un peu gnangnan ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai failli la louper. Je sais pas de quel oiseau elle vient, mais tu la veux? Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Tiens, prends-la. D'accord. Tout va bien se passer. Ça ira mieux. Bientôt. De l'oie cendrée. Alors moi, je connaissais la galinette cendrée. Mais pas l'oie cendrée. Allez, hop, on repart. Allez. Bon, et oh, ça va. Le mec, il prend son temps sur la caisse, là. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, on tourne pas trop. Là. On monte. Allez, monte. Cette fois-ci, on est bon, on peut partir. Et mine de rien, le temps tourne, hein. Le temps tourne. Je n'ai pas l'impression de qu'il y ait une fin proche. C'est en train de s'effondrer. Au diable, le pauvre. C'est vrai. Pas de bruit. Ça vous part à massacrer. Moi-même, si besoin. Tu es bouché. Rapproche-toi. Ils sont vraiment très nombreux. Oui, tenez-vous prêts. Il y a des chars de bois juste à côté de nous. Maintenant, Amicia, fais quelque chose. Je m'en occupe. Des chars de bois? Allez. On est là pour t'aider. Non. Reste près de moi. Fais-lui confiance, Hugo. Allez, mais crève! Putain, il est trop chiant, lui! Je peux pas l'aider. Il faut que je tue d'abord les ennemis. Maintenant. Il est à toi. Oui, mais comment je fais? Il m'en reste deux, putain! Merde. Et il reste encore lui.
sais plus comment on fait, lui. De la poix. Qui m'a tiré dessus, mais ça doit être celui-là. Putain, et l'autre il meurt jamais. Ça y est, enfin. Alors il me reste celui-là, là. Ah, je crois qu'il était pas mort. Encore ? Oh putain, j'aime pas ces phases, là. Tiens bon, Alicia, tu vas y arriver. Oui ! Ça, c'est pour vous. Merde. Mais tu crois que je fais quoi ? Je me demande bien. Mais toujours plus. Je vais l'aveugler. À toi, Amicia. Ah là 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 là. C'est ça. Montre leur à quel point ils sont rien. Vite, 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 vite. Putain. Sont impressionnants, hein. Et merde, ils m'ont encerclé, c'est con. Ah putain, il y en a encore un là aussi. Là. J'ai pas trouvé de flèche. Merde. Putain, mais ils sont 50 000. C'est chiant, ces passages, là. Ouais, c'est bien ça le problème. J'ai pas de poterie. Là j'en ai. Ça sert à rien. Lui, c'est bon. Achète-moi cette panda. Et tu crois que je fais quoi? Je me demande bien. On va mettre de l'extinguis. Ah merde, d'où il sort celui-là? Putain, j'en ai déjà assez d'un. Oh, putain, il y en a encore un autre. Montre-leur à quel point ils sont rien. Alors, il y en a encore un petit. Dépôt. Aïe, putain. Mais non. Bon, il reste les deux gros. Les deux gros, sa mère. Salpêtre.
Est-ce que j'ai encore des pots, moi? J'en ai encore un. Extinguis. Ah merde, l'autre il s'est pas aveuglé. Putain, j'ai plus de... Fais chier, j'ai plus de flèches. Alors, un pot ici. Pas qu'il me... J'ai cru qu'ils allaient m'encercler. Une flèche, s'il vous plaît. Eh, j'en ai pas, là. Alors, les pots. Ah, il y a une flèche ici. Il m'en faudrait d'autres, putain. Ah là 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 là, attention, Lucas, attention. Bon, je suis pas sûr qu'il puisse crever, mais bon. Dans le doute. Allez, une flèche ici. Allez. Extinguis. Voilà. Ah non, il y en a encore un autre qui est arrivé. Oh merde, lui. Ok, très bien, je reprends des vies. Nickel, des flèches, j'en ai une. J'ai pas de peau. Il me faut tout. Il me faut là le pot. Parfait. J'ai pas de flèche encore. Hein. Si, j'ai une flèche, mais une deuxième ne serait pas de refus. On va y arriver, on va y arriver. Encore faut-il que je trouve le tout. Pour l'instant, c'est pas gagné. J'espère que c'est celui à qui j'ai enlevé des... un petit peu de vie. Ce serait cool. Putain, mais les flèches évidemment. Putain, on me la donne maintenant la flèche. Bande de cons. Alors maintenant, il faut que je récupère un autre pot. Chier, vous pouvez pas me la donner avant. Non. J'aurais pu le flinguer. Pas me la donner. Pariez qu'ils vont pas me la donner. Alors le pot est apparu, ça y est. Il me saoule. Quand est-ce qu'il crève? La flèche. Le pot. Ça suffit. Parfait.
C'est bon ? Maintenant, vous pourriez enlever cette foutue corde de mon cou. Eh ben. Oui, bien sûr. Allez. Ouh ! Bon, le combat était pas trop épique quand même. Oh non ! Pas encore ! Ah bah là, c'est scripté. C'est pas vrai. Bon sang. Ah ouais. C'est terminé maintenant. Ouf. Il est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Allez, ouf. Eh ben, ça a été compliqué. Alors, allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Eh ben, t'étais pas loin de la corde au cou, toi, hein. Sophia ! Vous en avez mis du temps, tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère ? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Ça reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Ok. Eh ben non, ce n'est pas fini du coup. Chapitre 14. Soigner nos plaies. Donc nous partons du... Nous partons de l'île. Là, c'est indéniable. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. De l'air frais. Bon, et ben c'est sur cette action qu'on va terminer l'épisode. Là, on est de nouveau en mer, donc j'imagine que... Eh ben, on n'a pas fini le jeu encore, hein. Parce que si c'était une action, une forte action avec un boss, j'aurais fait l'effort de continuer. Mais visiblement, le jeu n'est pas encore terminé de sitôt, hein, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Moi, plus il y en a, plus je suis content, mais toujours est-il que, eh bien, on ne continuera pas dans cet épisode. Bon, bah écoutez, j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Le dernier combat n'a pas été très épique, je suis désolé, je suis mort qu'une seule fois,
Mais je pense que j'aurais pu me servir un petit peu plus des objets du décor, mais je n'ai pas voulu me mettre en porte-à-faux, surtout pour le dernier, où j'avais battu tous les autres. Donc j'avais pas envie de tout recommencer pour le faire avec d'une bonne manière. Donc j'ai préféré faire d'une manière plus lente, mais plus sûre. Ça a été mon jeu. Donc c'était pas le plus intéressant à regarder, j'en suis conscient. Mais bon, au moins je suis passé tranquille. Et l'histoire, elle est encore assez prenante. Et on se demande vers où ça va finir. Parce que là, le comte, est-ce qu'il va nous poursuivre ? Est-ce qu'il va, je pense qu'il va savoir qu'on est parti de l'île. Est-ce qu'on va se débarrasser de la Macula une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'on va être en paix? Est-ce qu'Amicia va survivre? Moi, c'est marrant parce que j'ai plus d'inquiétude sur Amicia que sur le cas Hugo. Donc, je sais pas. Le sort d'Aelys, là, à mon avis, c'est révélateur. Hein. Je veux pas être défaitiste comme ça, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec, à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour la suite. Peut-être la fin, mais visiblement, ça n'est pas le programme du jeu maintenant. Et donc, on verra la prochaine fois. Allez, salut tout le monde !